Couloir fermé, double cordon devant les journalistes, une perquisition est en cours au Parlement européen à Bruxelles. Les enquêteurs rassemblent des preuves dans une affaire impliquant l'assistant d'un eurodéputé d'extrême droite allemand que la police soupçonne de travailler pour les services secrets chinois. Al final de este pasillo, detrás de los periodistas, podemos ver un poco del registro a las oficinas del eurodiputado alemán Maximilian Krah. Hemos hablado con fuentes del Parlamento Europeo y nos han dicho que no pueden comentar nada sobre esta investigación que está en curso, pero que están cooperando plenamente con la justicia y que por ello han permitido el acceso a la policía a estas oficinas. Maximilian Krah est un homme politique de premier plan et leader de la liste parlementaire du parti allemand Alternative für Deutschland, membre de la faction d'extrême droite Identité et démocratie du Parlement européen depuis 2019. Son assistant, le suspect dans l'affaire d'espionnage chinois, Qian Guo, a déjà été arrêté et son appartement à Bruxelles a été perquisitionné par la police fin avril. Il y a quelques jours, Maximilian Krah a déclaré qu'il n'avait rien à voir avec le scandale d'espionnage chinois et qu'il restait le principal candidat de l'AFD. Son nom figure aussi dans l'enquête de la police tchèque, qui soupçonne son collègue Petr Bestroň de coopérer avec un réseau d'influence russe.